Ça faisait long time. Pause mec. Pause mec. Pause mec. Écoute ça. D'une consonance à l'autre, le défi dans les mots. Exprimer le ressenti, oui, pour reposer nos âmes. On cherche à fracturer le coffre de nos idéaux, à vivre sans regret, pour calciner nos états d'âme. Vacarne indescriptible, vision lucide dans le parallèle. Vortex sidéral, lévitation dans l'écriture. Oui, un état d'esprit de l'infothèque dans le pose mec. Inspiration sur le papier, fracasse les pros sans imposture. Luxure des textes, le déraillement, la prod est incendiée. Renouvelle les écrits, 2024, la plume chante dans l'antre du pose mec. Vous êtes tous invités à vie prosélytique. Qui vient chasser vos épouvantes, vampiriser l'image, déstabilise le conscient. Inerte sensation, les affluents se bougent. Le boss mec qui vient pour raviver le subconscient. Agréable douceur comme l'eau qui coule sous la souche. C'est l'antre du boss mec. Oui, l'antre du boss mec. C'est l'antre du boss mec. Oui, l'antre du boss mec. Cacher ce qui doit être vu aux yeux des médisants. Vivre ses rêves dans l'ombre sans artiser les convoitises. Laisser tous les ondits qui ne sont qu'une perte de temps. Donner de l'importance dans les propos augmente la méprise. Mépriser dans les actes impacte les relations. Vivre sa vie pour soi et se foutre des avis. À chercher les problèmes, on s'emmerde dans les solutions. Qui a les bonnes réponses, qui ne connaissent pas nos vies, hein. Tous les bien-pensants en quête de négativité, qui te regardent tomber sans même essayer de retenir tout ce qui t'avait dit dans le moment de ne pas essayer, persévère sans relâche, tu les feras tous mentir. Bienvenue dans le boss mec de l'infothèque héritalien. Ça faisait longtemps, voici le retour du combo. La vie est courte, profitez, n'écoute pas les chiens. Écoutez, réécoute ce son dans ta sono. C'est l'antre du boss mec. Oui, l'antre du boss mec. C'est l'antre du boss mec. Oui, l'antre du boss mec.